Bonsoir à tous. Nouveau rendez-vous des mardis de l'espace des sciences, ce soir avec Yves Le Drian, que je remercie d'être avec nous. J'en profite juste pour dire un petit mot, parce que, en fait, c'est un de vos amis chercheurs qui est venu souvent nous faire des conférences ici aussi, qui nous a parlé de vous et de ce sujet qu'il était effectivement intéressant d'aborder. Et c'est Olivier K. Voilà. Alors, Olivier K, il n'est plus à Rennes actuellement, mais il travaillait à Rennes, il a fait des conférences ici, à Saint-Malo aussi, et maintenant il a pris sa retraite, mais je suis sûre qu'il va regarder cette conférence avec beaucoup d'attention demain sur Internet, puisque cette conférence est enregistrée et qu'elle sera visible sur YouTube et aussi sur le site de l'Espace des Sciences, grâce à toute notre équipe. Vous n'en voyez qu'un ici derrière une caméra, vous avez une caméra qui travaille ici toute seule, il y en a une ou deux autres un peu plus loin, mais il y a toute une équipe en régie aussi que je salue ce soir. Et donc, pour en revenir à Olivier K, je profite pour dire qu'il vient de produire pour l'Espace des Sciences et les éditions Apogée, dans notre collection, ce petit livre. On en a deux petits nouveaux à vous présenter. Celui-ci s'intitule « La reproduction animale et humaine » sous la direction donc d'Olivier K, paru aux éditions Apogée. Vous savez, ce sont des tout petits livres que nous éditons avec ces éditions et qui vous donnent des informations sur des sujets variés. On en a pas mal maintenant, une cinquantaine, au moins une soixantaine. Et puis il y a aussi celui-ci qui est signé d'Alain Noyat et qui parle des mathématiques pour comprendre le monde. Donc je vous invite à les feuilleter. Vous pouvez les trouver en vente à l'accueil des Champs Libres, mais aussi sur le site de l'Espace des Sciences. Voilà, ça nous permet de dire un petit bonsoir à Olivier K. Alors, objets connectés, portables, antennes relais, box Wi-Fi, les ondes nous inondent, ça je crois qu'on peut le dire vraiment. Ces rayonnements électromagnétiques sont-ils dangereux pour notre santé? C'est évidemment une question que l'on se pose tous. Où en est l'état de la recherche? Eh bien, c'était un peu ce qu'on avait envie de savoir avec vous ce soir. Alors, pour vous présenter, je vais dire que vous êtes originaire d'Auray, un Breton pur jus, pur beurre salé, que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Rennes 1, biologiste à l'Institut de recherche sur la santé, l'environnement et le travail, l'INSERM. Voilà, vous avez fait vos études à Rennes. Oui, c'est ça, oui, un doctorat en biologie moléculaire à Rennes, et puis ensuite un postdoc au Canada. Vous avez passé plusieurs années d'ailleurs. Voilà, 4 ans au Canada, à l'hôpital des enfants malades, en service de biochimie. Et puis ensuite, recruté sur Rennes à la fin des années 90, où j'ai fait toute ma recherche d'abord sur l'expression génétique. Donc, je ne suis pas du tout électronicien à la base. Je n'étais pas programmé pour travailler sur ce sujet. Justement, je vous ai demandé, mais qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce sujet? C'est des rencontres avec d'autres chercheurs qui étaient sur le campus de Rennes. On a la chance à Rennes d'avoir une proximité avec des chercheurs qui ont des compétences ou des domaines très très divers, et les électroniciens de l'Institut d'électronique et télécommunication de Rennes sont venus me voir pour élaborer une collaboration, histoire de voir si les systèmes qu'ils étaient en train de développer, les futurs systèmes de Wi-Fi, de télécommunication, pouvaient avoir un impact ou non sur la santé. Ils se posaient cette question-là. Et donc, ça, c'était il y a combien d'années? C'est une petite dizaine d'années. Et donc, ça a commencé comme ça, où ça a été un projet vraiment annexe pour moi. Et puis, on se prend au jeu. Et d'année en année, c'est devenu mon sujet numéro un. Et maintenant, c'est mon sujet de recherche. Et je vous demandais tout à l'heure, est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur ce sujet? Il y en a eu plus que maintenant, vous me disiez. Oui. Dans les années 2000-2010, il y a eu beaucoup d'équipes qui ont commencé à travailler pour essayer de voir justement l'impact qu'il y avait. Étant donné que les résultats n'ont pas été toujours couronnés de succès, beaucoup de chercheurs ont arrêté sur ce domaine-là. Maintenant, il y a un peu moins d'équipes qui essayent de travailler sur l'étude vraiment de l'impact sur la santé. Beaucoup d'équipes se sont tournées vers des applications thérapeutiques de ces ondes. C'est-à-dire qu'ils essayent des systèmes d'exposition qui n'ont vraiment rien
à voir avec la télécommunication pour essayer d'utiliser ces ondes pour soigner. Il y a plein d'applications thérapeutiques qui risquent de se développer dans les années à venir avec ces ondes-là. Alors, pour évacuer une question qui revient tout le temps, conflit d'intérêts, vous travaillez ? Ben, je travaille de façon complètement indépendante puisque je suis universitaire, donc mon salaire il est versé par l'université de Rennes 1, donc j'ai aucun rapport avec les opérateurs là-dessus. Ma recherche est financée par l'État, par des associations style l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sur l'environnement. Donc, du coup, vraiment complètement indépendant par rapport aux opérateurs. Et à l'inverse aussi, je ne suis pas impliqué dans des sociétés qui vendent des produits pour vous protéger des ondes. Parce que là aussi, il y a des conflits d'intérêts. Donc là aussi, il peut y avoir des conflits d'intérêts dans les deux sens. Dans les deux sens, bien sûr. Oui, oui. Et moi, ce que je trouve assez admirable dans votre démarche et dans votre recherche, bon, on le verra, on en reparlera peut-être après, c'est justement que depuis 10 ans, vous vous êtes consacré à ce sujet qui ne donne pas des résultats faciles. Certains chercheurs maintenant jettent un peu l'éponge parce que justement, ça ne bouge pas beaucoup. Et vous, vous continuez parce que vous vous dites on n'a pas encore regardé suffisamment à fond. On a encore plein d'idées. Ce qui nous manque, c'est le temps pour pouvoir tester un peu toutes les idées. Mais tant qu'on a des idées pour essayer d'expliquer pourquoi on a des résultats négatifs, eh ben, on persévère parce que il y a quand même un enjeu sanitaire. Il faut à tout prix essayer de vérifier si ces ondes vraiment sont sans danger ou pas. Quoi. Bon, alors, ondes électromagnétiques, télécommunications et santé, on vous écoute. Et puis après, bien sûr, on vous donnera la parole et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à Yves Le Drian, que je remercie encore d'être là. Bonne soirée à tous. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Okay. Donc, comme c'était dit dans l'introduction, je travaille à l'Institut de recherche en santé et environnement, donc c'est un institut INSERM, dont le but est de regarder quel impact peut avoir l'environnement sur la santé humaine. Mais moi je suis biologiste, c'est un travail, essayer de voir quel impact peuvent avoir les ondes sur la santé, c'est un travail qui demande des connaissances également en électronique. Moi, je ne suis pas électronicien, donc je dois pour cela collaborer avec des électroniciens. Et je collabore avec des équipes de l'Institut d'électronique et télécommunication de Rennes. Et depuis une dizaine d'années, on essaye de voir, bien sûr, si les ondes électromagnétiques qui sont utilisées en télécommunication peuvent avoir un impact sur la santé. Et c'est donc à ce titre que je vais essayer de vous montrer un petit peu l'état de l'art actuellement pour répondre à la question que tout le monde se pose, je pense, dans cette salle. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Alors avant de rentrer... Avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques mots d'introduction, histoire de vous rappeler un petit peu ce que sont les ondes électromagnétiques, des notions vraiment très très simples, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques. Ces ondes, elles méritent bien leur nom parce qu'elles ont deux composantes. Vous voyez, on a une composante qui est un champ magnétique et un champ électrique. Les deux sont liés, perpendiculaires. Et donc, on va avoir comme ça un champ magnétique et un champ électrique qui vont osciller, donc avec des retournements qui se font régulièrement. Donc, on va avoir ces oscillations de champ électrique et de champ magnétique. C'est pour ça qu'on les appelle des ondes, comme des vagues, comme ça, qui se propagent. Et on va définir les ondes électromagnétiques en fonction de ce qu'on appelle la fréquence. Alors la fréquence, c'est le nombre d'oscillations que l'on va avoir par seconde. C'est ce qu'on appelle les hertz. Donc quand vous entendez des ondes de 50 hertz, par exemple, ça veut dire que ce sont des ondes électromagnétiques qui oscillent 50 fois par seconde. Les radiofréquences, c'est de l'ordre de quelques centaines de mégahertz. Autrement dit, les oscillations, ça va être plusieurs centaines de millions de fois par seconde. Donc c'est ce qui définit un petit peu les ondes électromagnétiques, et il va y avoir tout un tas d'ondes électromagnétiques. Le spectre est continu entre des ondes où on a des oscillations très très faibles et puis des ondes où les oscillations sont très 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 fortes, ce qui va définir des familles d'ondes électromagnétiques, les ondes radio, les radiofréquences, la lumière, parce que la lumière est une onde électromagnétique, mais également les UV, les rayons X et les rayons gamma. En plus de cela, on va définir les notions de puissance. Alors, la notion de puissance, c'est
un petit peu l'augmentation, là, le pic, la hauteur du pic, donc la hauteur du champ magnétique ou la hauteur du champ électrique. C'est facile à comprendre, c'est des notions que vous connaissez déjà. Par rapport à cette intensité, si je me rapporte à la lumière, eh ben, si on a une faible intensité, ça va être une couleur, une lumière d'une certaine couleur, mais vous allez avoir un peu de mal peut-être à la percevoir. Et puis si la puissance augmente, eh ben, ça va être une lumière qui va vous éclairer suffisamment. Et puis si on a encore la puissance qui augmente là-dessus, eh ben, vous allez avoir du coup une lumière très très intense qui peut bien sûr vous éblouir. Donc du coup, les interactions que l'on a entre ces ondes électromagnétiques et le vivant, eh ben, vont dépendre bien sûr de la fréquence, mais également de l'intensité de ces ondes. Donc c'est les deux notions qu'il faut garder en tête pour bien comprendre l'action que peuvent avoir ces ondes sur le vivant. Alors ces ondes, on en trouve bien sûr dans la nature énormément. Principalement, notre source numéro un d'ondes électromagnétiques de façon naturelle, c'est notre Soleil. Notre Soleil va émettre tout un tas d'ondes électromagnétiques, notamment la lumière, les infrarouges, Dieu merci, c'est ce qui nous permet de voir, c'est ce qui nous permet de nous réchauffer. Un petit peu d'UV, mais on est quand même protégé par notre atmosphère, hein, la couche d'ozone. Les rayons X, les rayons gamma sont également émis par le Soleil, mais on a la magnétosphère qui nous protège, heureusement. Et puis on a un petit peu de micro-ondes, d'ondes radiofréquences et puis d'ondes radio aussi qui passent. À cela va s'ajouter également des ondes qui viennent de l'émission terrestre. Notre Terre, elle a une certaine température, donc elle va agir comme un corps noir, et donc du coup elle va également émettre des ondes électromagnétiques, notamment en termes de radiofréquence. On va avoir une émission naturelle de radiofréquence. Néanmoins, ces niveaux sont quand même assez faibles, sauf cas exceptionnels avec les éclairs, ce genre de choses. Et à cela, depuis quelques années, va s'ajouter des ondes avec des sources complètement artificielles. Au fil des ans, on a tout un tas d'applications qui utilisent les ondes électromagnétiques. Et donc, du coup, notre quotidien, il est un petit peu bouleversé en termes d'exposition, avec tout un tas d'objets que vous voyez ici, alors la liste n'est pas exhaustive, mais qui vont émettre des ondes. Donc vous connaissez très bien le téléphone, bien sûr, le téléphone portable avec les antennes relais, mais également les téléphones, ce qu'on appelle les DEC, c'est-à-dire les téléphones fixes que vous avez chez vous, mais qui sont sans fil, ils vont également émettre des ondes électromagnétiques. On va avoir les fours micro-ondes, mais on a également les plaques induction, la télévision, les ampoules basse consommation, la radio FM. Tout un tas de gadgets pour bébés ou de jouets connectés sont en train d'arriver sur le marché. Les scanners dans les aéroports pour une sécurité, les radars anti-collision, le Wi-Fi, les compteurs intelligents qui sont en train d'arriver également, ce qu'on appelle RFID, c'est-à-dire les petites étiquettes anti-vol que l'on peut avoir là-dessus. Elles utilisent aussi des ondes, du moins au niveau des portiques. Et puis le futur, ça va être des vêtements intelligents qui seront connectés, etc. Autrement dit, on a une source d'exposition artificielle qui ne cesse d'augmenter à l'heure actuelle, avec des niveaux d'exposition qui sont un petit peu plus forts que ceux que l'on a naturellement. C'est un petit peu logique. Il faut qu'on puisse avoir des choses qui soient détectables. Si vous êtes dans une soirée où tout le monde cause, où vous avez un brouhaha sonore, si vous voulez que votre interlocuteur vous entende, il va falloir parler un petit peu plus fort. Donc si on veut utiliser ces sources artificielles, il va falloir qu'on ait des niveaux d'exposition, des niveaux d'émission qui soient plus forts que ce qu'on a naturellement. Alors du coup, ce qui se passe, là vous voyez une photo un petit peu d'artiste, on va avoir ces ondes qui vont inonder un petit peu notre quotidien. On ne les voit pas, mais elles sont là, elles sont présentes là-dessus. Alors quand on voit ça, bien sûr, certaines personnes peuvent s'inquiéter. Et la question qui revient souvent quand on sait que je travaille sur les ondes, ce qu'on me pose comme question, c'est: alors, est-ce qu'elles sont dangereuses? On a vraiment envie de savoir, pouvoir répondre par oui ou par non. C'est un petit peu difficile de répondre par oui ou par non par ce type de question. La problématique est assez complexe là-dessus. En plus, je pense que cette question, elle est mal posée. C'est pas est-ce que ces ondes électromagnétiques sont dangereuses. Ce sont des radiofréquences, c'est le même type d'ondes que votre four micro-ondes. Vous savez bien que si vous mettez un animal dans un four micro-ondes, vous allez le tuer à coup sûr. Nous, en laboratoire, on a pu tuer des cellules, avec ces ondes. Donc du coup, effectivement, potentiellement, ces ondes sont dangereuses. Mais la vraie question, c'est de savoir si, dans le cadre d'utilisation des applications que je vous ai présentées dans la diapositive précédente, est-ce que là,
on risque d'avoir quelque chose. Est-ce qu'il y a un danger sanitaire qui se pointe ou non? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, eh bien, il faut d'abord avoir quelques notions d'interaction entre les ondes et la matière vivante. Alors, très rapidement, pour ne pas se perdre un petit peu dans les détails, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que l'énergie qui va être associée aux ondes, un petit peu l'énergie du photon, on peut le voir un petit peu comme ça, va dépendre de la fréquence. En fonction de la fréquence des ondes, eh bien, on n'aura pas le même niveau d'énergie qui sera associé à cette onde. Vous vous rappelez, dans la diapositive d'introduction, je vous ai dit que ça oscille de façon un petit peu différente. Donc on va avoir pour les ondes électromagnétiques où les oscillations sont très 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 importantes, des ondes extrêmement énergétiques. C'est les rayons gamma, les rayons X, où là l'énergie associée aux photons très très forte. Et puis si on a des interactions entre ces ondes et de la matière, eh bien, ça va faire des dégâts au niveau de la matière. Ça va arracher des électrons, c'est ce qu'on appelle des ondes ionisantes. C'est en fait ce qu'on appelle vulgairement la radioactivité. Alors ça, c'est très dangereux, c'est très réglementé là-dessus. Alors, on a très peu d'utilisation de la vie quotidienne qui utilise ce type d'ondes là-dessus. Ensuite, si on regarde un petit peu dans les ondes où la fréquence diminue, on va tomber sur l'infrarouge, on va tomber sur le visible, et là, on va avoir des ondes qui auront de l'énergie associée, où l'énergie sera un petit peu plus faible, mais quand même assez forte, suffisamment forte pour qu'on puisse avoir des réactions photochimiques. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on arrive à visualiser les choses quand on a la lumière qui va interagir avec l'œil. Donc ces réactions sont quand même très très utiles d'un point de vue physiologie, on a des réactions photochimiques. Et puis si on descend un petit peu encore, on va tomber sur la famille des micro-ondes, des hautes fréquences, des fréquences radio et des basses fréquences. Alors je ne vais pas vous parler des basses fréquences parce que c'est un cas un petit peu à part. On va juste se concentrer sur les radiofréquences, c'est là où on avait toutes les applications que je vous ai présentées tout à l'heure. Dans le cadre des radiofréquences, là, on est dans des cas d'ondes où l'énergie associée n'est plus suffisante pour pouvoir arracher de la matière, pour pouvoir casser des interactions entre les molécules, pour pouvoir créer des réactions photochimiques. Donc, plus aucune réaction photochimique, plus aucun dégât au niveau de la matière, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des phénomènes de vibration ou de rotation. Alors, phénomène de rotation, pour bien comprendre ce qui se passe, imaginez un aimant, une boussole, hein, dans un champ magnétique. Il va tout de suite s'orienter dans le champ magnétique. On peut avoir la même chose dans un champ électrique. Si vous avez une molécule qui a une charge positive et une charge négative, ce qu'on appelle des dipôles moléculaires, qui ont donc les deux charges, et que vous la mettez dans un champ électrique, cette molécule va s'orienter dans le champ électrique. D'accord ? Ces molécules, on en a plein dans notre corps. Notamment, la molécule d'eau a cette propriété de s'orienter dans un champ électrique parce qu'elle a une charge positive et une charge négative. Sauf qu'ici, on est dans un cas où on a des ondes électromagnétiques où le champ électrique n'arrête pas d'osciller. Un coup, il est dirigé vers le haut, un coup, il est dirigé vers le bas. Ce qui fait que la molécule d'eau, elle ne va pas arrêter de se retourner. On va avoir des phénomènes de rotation. Je vous ai dit, dans les radiofréquences utilisées en télécommunication, on est de l'ordre de plusieurs centaines de mégahertz, voire de gigahertz, c'est-à-dire qu'on est autour du milliard d'oscillations par seconde. Donc la molécule d'eau, elle va se mettre à osciller un milliard de fois par seconde. Ça va créer des frictions, et à cause de ces frictions, on va avoir des effets thermiques. C'est l'effet du four micro-ondes. Si vous arrivez à chauffer votre café dans un four micro-ondes, c'est parce que vous avez ce phénomène-là. Ce phénomène thermique, il est bien compris des scientifiques, c'est le seul phénomène qui est vraiment avéré à demi par tout le monde. Et donc, du coup, on va établir les normes de sécurité et d'utilisation des ondes électromagnétiques qui sont utilisées en radiofréquence pour toutes les applications en fonction de ces effets thermiques. Alors, l'effet thermique va dépendre également de la puissance. Il faut que le champ électrique soit suffisamment fort pour pouvoir permettre à toutes les molécules d'eau qu'on a dans le corps de s'orienter et de se mettre à rentrer en rotation. Donc, on va pouvoir définir un seuil bien précis où, au-delà duquel on va avoir les molécules d'eau qui vont se mettre à osciller comme des folles, donc un effet thermique,
et en dessous duquel eh ben, on n'aura plus d'effet thermique parce que le champ électrique ne sera plus suffisant pour avoir cette orientation des molécules d'eau. Alors parfois, l'effet thermique il peut être recherché. Hein. Je vous ai parlé en introduction des applications thérapeutiques qu'il peut y avoir. Il y a beaucoup d'applications où on fait de la thermoablation. Vous voyez ici une antenne qui est mise dans, dans une tumeur et on va essayer de tuer les cellules cancéreuses en les chauffant de telle façon qu'elles meurent toutes de façon locale. Bon, le four à micro-ondes, hein, que vous connaissez déjà. Et puis ici, ce sont des armes non létales qui sont des armes de dispersion de foule. On a une espèce de radar très très fort qui va émettre des ondes à très très forte puissance. Et puis les personnes qui sont dans le champ du radar, eh ben, elles vont avoir cette sensation de chaleur à la surface du corps, ce qui fait qu'elles ne pourront pas rester dans le feu du radar. Elles sont obligées de partir, se réfugier ailleurs, en dehors du faisceau. Néanmoins, ça, ce sont des systèmes d'exposition qui sont très restreints. On ne l'a pas dans la vie quotidienne, Dieu merci. Pour tout ce qui est application qu'on a dans la vie quotidienne, eh ben, il va falloir que ces conditions d'utilisation ne dépassent pas, bien sûr, ce seuil thermique. Donc on a défini expérimentalement ce seuil thermique, on le connaît, on sait à peu près à quelle valeur on commence à avoir cet effet thermique. On va définir un facteur 10 de sécurité. Facteur 10 de sécurité, vous avez la limite pour les travailleurs. La limite à ne pas dépasser avec les systèmes de télécommunication ou les systèmes qui utilisent les ondes électromagnétiques. Et puis, on va encore prendre un facteur 5 supplémentaire de sécurité pour les limites du grand public. Et là, vous avez l'explication historique des normes qui sont actuellement en vigueur en France et dans la plupart des pays d'Europe et du monde. Quand on regarde un petit peu exactement les applications que je vous ai présentées, à quel niveau elles sont, en règle générale, on est autour de 1 à 5% du maximum autorisé. Autrement dit, si on regarde, par rapport au seuil thermique, on a un facteur 50, 10 multiplié par 5, 50 pour avoir la limite du grand public, et concrètement, on est à 1 à 5% de cette limite-là. Autrement dit, par rapport à des effets thermiques, les normes nous protègent de façon très très efficace, parce qu'on est vraiment très très en dessous eh ben, de, ces, comment dire, de ces quantités, de ces niveaux limites qui déclenchent tout par rapport aux effets thermiques. Maintenant, la grande question, et là où on travaille en recherche, c'est de savoir est-ce qu'il y a d'autres effets que les effets thermiques ? D'autres effets possibles qui passeraient par d'autres phénomènes qu'on ne connaît pas. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas de théorie validée pour étayer l'existence de tel effet. Attention, ça ne veut pas dire, parce que ce n'est pas validé expérimentalement, qu'on n'a pas d'hypothèse en recherche. On a tout un tas d'hypothèses en recherche qui pourraient expliquer l'existence de tels phénomènes. Seulement, on n'a pas réussi à les mettre en évidence d'un point de vue expérimental. D'abord, parce que c'est un petit peu difficile, il faut bien comprendre qu'on est avec des phénomènes d'oscillation qui sont extrêmement rapides, on est à regarder des phénomènes au niveau de l'atome ou des molécules, donc ce n'est pas simple à mettre en évidence. Les principales hypothèses qui sont mises en avant à l'heure actuelle dans la littérature, ça serait des entrées en résonance de molécules biologiques. Un petit peu, vous avez certainement cet exemple-là de l'armée qui marche sur un pont, tous au pas, et puis le pont se met à vibrer. Et ben, certaines personnes pensent qu'au niveau moléculaire, on pourrait avoir la même chose au niveau des cellules là-dessus. Ce sont des hypothèses, pas avérées. Perturbation de flux d'ions. Alors les ions, ce sont des molécules chargées électriquement. Donc dans un champ électrique, on peut bien sûr supposer qu'elles puissent être un petit peu affectées hein, dans leur courant. Perturbation entre l'interface aux molécules biologiques. C'est l'eau qui rentre en résonance et puis qui se met à tourner un petit peu comme ça. Donc il est possible qu'on ait des perturbations là-dessus. Et en biologie, on sait maintenant que ces interactions entre l'eau et d'autres molécules, telles des lipides, telles des protéines, sont vraiment très, très importantes pour le fonctionnement au niveau moléculaire et cellulaire. Donc ça, ce sont les principales hypothèses. Elles nécessitent encore des validations expérimentales. Alors, je vais commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet après cette introduction, pour vous montrer une vue d'ensemble un peu de la recherche scientifique sur les radiofréquences. Qu'est-ce que l'on sait à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui a été fait? Alors, au fil des ans, mine de rien, il y a quand même eu des centaines, je devrais dire même maintenant, des milliers d'études qui ont été publiées.
Je pense qu'on doit être au niveau des radiofréquences pratiquement à 2000 publications qui ont été réalisées. Publications qui ont été faites par des équipes universitaires du monde entier, complètement indépendantes. Ça a commencé, vous voyez ici, ça c'est l'année, et le nombre de publications pour essayer de tester l'effet des téléphones mobiles sur la santé. Le nombre de publications, elle a commencé à augmenter dans les années 2000. Donc là, c'est les études faites par des équipes universitaires indépendantes, et vous voyez qu'on... Je n'ai pas mis ici le chiffre, mais on doit être à plus de 100-150 publications par an sur le sujet là-dessus. Donc beaucoup, beaucoup d'études ont été réalisées. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été donné dans la recherche publique pour essayer de voir un petit peu ce qui se passait là-dedans. Et on a testé tout un tas de choses à l'heure actuelle. Alors là, je vous ai listé, ce n'est pas exhaustif, hein, ce sont les principales pistes de recherche qui ont été explorées par les chercheurs. Vous avez ici l'effet sur l'expression génétique, c'est-à-dire comment l'expression des gènes peut être affectée sous exposition, sur le stress oxydant, sur les effets sur l'ADN, ce qu'on appelle la génotoxicité, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable, suite à des expositions, à induire des dommages au niveau de l'ADN. L'apoptose, c'est le mot savant pour parler de la mort cellulaire, le développement des cancers, les effets immunologiques, les effets sur le système nerveux, sur le développement embryonnaire, sur la reproduction, l'audition, système oculaire, le système cardiovasculaire, etc., prolifération, troubles de mémoire, perturbations de sommeil, bref, on a vraiment regardé un petit peu partout. Et là-dessus, ce qui est un petit peu difficile, c'est que ces études-là n'ont pas de convergence, de cohérence. Vous allez avoir certaines études qui seront positives, certaines qui seront négatives. Donc du coup, on ne sait pas trop ce que je vous ai mis ici, je ne sais pas, peut-être, etc., avec un grand point d'interrogation. Le gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'effet particulier qui ressort du lot. Si toutes les études positives, par exemple, elles étaient sur les effets sur le système nerveux, et bon, on pourrait conclure, bah oui, il y a un effet sur le système nerveux, et puis il n'y a pas d'effet sur tout le reste. Mais ce n'est pas le cas. Pour chaque domaine, on a des résultats positifs, et dans chaque domaine aussi, on a des résultats négatifs qui sont un petit peu en compétition les uns avec les autres. Donc c'est très, très difficile, après, pour juger du poids de la preuve. Et il va falloir faire des analyses un petit peu plus poussées pour essayer de voir qu'est-ce qui peut ressortir réellement de cette littérature. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les problèmes qu'ont les scientifiques quand ils font ces analyses critiques, parce que là, je vous ai mis un petit point d'interrogation, car je crois qu'entre les scientifiques et le grand public, il y a un petit malentendu ou peut-être une culture un petit peu différente. Quand on analyse des publications, on va regarder, notamment dans le domaine, si le système d'exposition a bien été contrôlé, si on ne peut pas avoir ce qu'on appelle en biologie des artefacts, c'est-à-dire avoir l'impression qu'on a un résultat, mais qui est dû à autre chose. C'est quelque chose qui, en science, est hyper important. Pour vous expliquer un peu ce type d'importance, une petite parenthèse avec un exemple historique célèbre. C'est la polémique qu'il y a eu il y a un siècle et demi sur la génération spontanée. Alors, il y a un siècle et demi, il y avait deux chercheurs qui se disputaient, hein, Pouchet et puis Pasteur. L'un avait prouvé expérimentalement que la génération spontanée, oui, existait. Là-dessus, il avait fait tout un tas de manip. Alors attention, Pouchet, c'était un excellent scientifique. Hein, il a eu ses travaux primés. Pendant quelques années, il s'est intéressé à la génération spontanée, mais il s'est complètement planté parce qu'il n'avait pas tous les paramètres. À l'époque, on ne savait pas qu'il pouvait y avoir des micro-organismes dans l'air et qui pouvaient contaminer les solutions. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait effectivement des montages expérimentaux, mais rien n'était contrôlé, donc il y avait des contaminations, et donc du coup après, ces cultures repartaient, conclusion, génération spontanée. Et il a fallu les travaux de Pasteur pour montrer que non, l'air était capable de contaminer tout ça. Donc ce sont ce qu'on appelle des artefacts, hein, des erreurs expérimentales, qui sont parfois dues au fait qu'on ne maîtrise pas tout, on n'a pas encore toutes les connaissances. Mais il va falloir faire très, très attention, quand on fait des sciences expérimentales, de ne pas tomber dans le panneau. Et dans ce domaine-là, eh ben justement, on a un gros problème parce qu'on peut avoir des dégagements de chaleur qui ne sont pas liés aux ondes, mais qui vont être liés au système, à l'électronique, au système en lui-même. Un petit exemple tiré d'une publication d'une équipe française, INERIS, là-dessus. Vous voyez ici donc
involontaire. On a installé un téléphone sur cette personne et puis on va mesurer la température de cette personne. Donc vous voyez là la température au niveau de la joue quand le téléphone est éteint, à peu près 33 degrés. Téléphone à la surface, la température à la surface de la peau quand le téléphone est éteint. Si on allume le téléphone, vous voyez qu'on a une augmentation de la température. Augmentation de la température, elle est due à quoi ? Est-elle due aux ondes ? Je vous ai dit que les ondes sont capables de chauffer, mais que normalement, on devrait être protégé puisque les niveaux d'émission sont contrôlés de façon à ce qu'on n'ait pas ces effets thermiques. Alors, à l'INERIS, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont traficoté le téléphone. Ils ont un téléphone qui est allumé, donc toute l'électronique, la batterie, tout ça, c'est en marche, mais il ne va pas émettre d'ondes électromagnétiques. Et quand on mesure la température à ce niveau-là, vous voyez qu'il y a deux courbes ici, une courbe avec des carrés, une courbe avec des ronds. Et bien, avec ce téléphone traficoté, on a exactement la même augmentation de température. Pourtant, il n'émet pas d'ondes. C'est vraiment le système électronique là-dessus. Donc on peut avoir, si on ne maîtrise pas bien le système d'exposition, des effets thermiques. Ça, c'est tiré d'une publication. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais on a une petite boîte de culture qui est mise ici. Il y a eu des chercheurs qui ont utilisé ce genre de choses. Alors, quand on utilise ce type d'approche expérimentale, on est sûr d'avoir des résultats. Parce qu'on chauffe les cellules, or, le vivant réagit à la chaleur, donc on va avoir des effets qui seront observés, mais qui seront des effets thermiques liés à l'électronique. Or, là, on a tout faux, puisque ce qu'on recherche, ce sont des effets athermiques. Donc ça, on barre. Et il va falloir qu'on trie un petit peu la littérature scientifique pour enlever tous ces problèmes expérimentaux. Et là, quand on fait ça, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'études qui montrent des effets positifs qui sont éliminés de l'analyse. Ce n'est pas parce qu'on veut prouver que les ondes n'ont pas d'effet, c'est tout simplement parce que ces études ont mal été menées et qu'elles apportent un doute. Donc si elles apportent un doute, on ne peut pas conclure, donc il vaut mieux les enlever de l'analyse. D'accord ? Donc ça, c'est ce que vous voyez ici, les effets observés, 80 publics qui montrent des effets, une centaine de publics qui ne montrent pas d'effets, lors d'un rapport qui a été fait en 2009. En vert, ce sont les publics qui ont une bonne méthodologie expérimentale, et en rouge et rose, ce sont celles qui ont des problèmes de méthodologie expérimentale. Donc on enlève quand même beaucoup de publications qui montrent des effets avec ce type d'analyse critique. Alors, d'année en année, ça s'était fait en 2009, les chercheurs se progressent, mine de rien, et la qualité des publications augmente là-dessus. Donc d'année en année, on commence à accumuler un petit peu les effets. Et puis, même avec une méthodologie vraiment bonne, on s'aperçoit qu'il y a quand même des publications qui montrent des effets positifs. Donc à l'heure actuelle, maintenant, 2016, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Non, on commence à accumuler quand même un corpus d'articles scientifiques qui montrent des effets. Seulement, ces effets, bien souvent, ils sont de faible amplitude. Ce qui fait qu'on a toujours le doute, est-ce que c'est des effets réels ou est-ce qu'on est en train de s'acharner, de s'exciter sur du bruit de fond, puisque le vivant, il est par nature, justement, un petit peu fluctuant. Principalement, on se pose cette question-là parce qu'on a des gros problèmes de reproductibilité. Il y a des équipes qui ont démontré un effet et des équipes voisines qui ont essayé de refaire les manips expérimentales et qui n'ont pas retrouvé le même effet. Donc ça, c'est très embêtant. Normalement, si on lâche quelque chose, ça tombe, quel que soit l'endroit, le laboratoire où on le fait. Ici, on n'est pas dans cette situation. Donc ça complique complètement, bien sûr, les analyses. Et puis aussi, ce n'est pas parce qu'on a des effets qu'on pourra avoir un impact sanitaire. On a les choses qui peuvent être un petit peu différentes. Si vous vous mettez à courir, vous allez avoir un effet biologique, votre souffle va être un petit peu différent, vous allez vous mettre à transpirer, mais ça ne va pas mettre votre santé en danger. C'est une réponse normale à un changement de situation physiologique. En plus, pour compliquer l'analyse, va venir une autre idée. Des résultats négatifs sont-ils la garantie qu'il n'y a pas d'effet ? Eh bien non, parce qu'il ne faut pas oublier la résilience des systèmes biologiques. Les systèmes biologiques, ils sont très dynamiques et ils ont la capacité à s'auto-réparer. Alors pour vous montrer un petit peu ce genre de choses, voilà un petit peu de littérature française, un exemple pris dans Astérix pour vous expliquer un petit peu ça. Alors vous avez ici une forêt qui est attaquée.
Donc on a son environnement qui est un facteur qui va vraiment être un peu délétère pour cette forêt. On arrache des arbres et puis on va avoir une clairière qui se fait, un dégât au niveau de la forêt. Maintenant qu'on en a ces systèmes qui se passent au niveau cellulaire, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des systèmes moléculaires qui vont détecter qu'il y a quelque chose qui se passe et qui vont mettre en marche et ben, des systèmes de réparation. Des systèmes de réparation qui vont permettre de réparer les dégâts. Donc ici, système de réparation, c'est le druide Panoramix qui va donner des glands magiques pour pouvoir faire pousser les arbres. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? C'est que grâce à cette réparation, eh ben, on va retrouver une forêt intacte, retour à la normale. Et après, ben, si on veut essayer de voir où se trouve la clairière, on ne va plus la trouver. Et donc là, vous avez le biologiste ou le toxicologue qui essaye de voir ses effets, mais qui ne pourra pas les voir parce que systématiquement, ils seront réparés au fur et à mesure qu'on aura fait des dégâts. Donc ça complique un petit peu la tâche par rapport au poids de la preuve. Alors au final, malgré toute cette difficulté à juger du poids de la preuve, qu'est-ce qu'il faut retenir de la littérature? À mon sens, il va falloir raisonner en action à court terme, action à long terme. Action à court terme, c'est-à-dire pour des expositions de quelques heures, quelques jours seulement, beaucoup d'études in vivo, in vitro ont été réalisées. Pratiquement toutes ces études sont négatives, donc on peut avoir vraiment, on a des résultats très très rassurants qui montrent qu'on n'a pas d'effet délétère, d'effet vraiment drastique. Ce n'est pas un poison violent. D'accord ? Maintenant, il faut quand même avoir du recul sur nos études. Moi, j'ai beaucoup travaillé à ce niveau-là, in vitro au laboratoire, et c'est vrai que mes résultats sont dans la grande majorité négatifs. Mais attention, qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé avec des tests principalement qui sont liés à la tradition des toxicologues où on essaye de voir des effets violents. Ce que vous voyez ici, c'est un petit bonhomme en équilibre. Il représente, il schématise ce qu'on appelle en biologie l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une cellule ou d'un organisme qui assure le bon fonctionnement. Ce qu'on a essayé de voir, c'est est-ce que les ondes électromagnétiques, c'est un choc suffisamment violent pour détruire l'équilibre cellulaire ou l'équilibre physiologique pour faire tomber mon équilibriste. Et là, assurément, la réponse est non. Quand on regarde les tests classiques, on ne voit rien à ce niveau-là. Alors là, moi, j'ai beaucoup de collègues qui ont arrêté suite à des résultats négatifs. Maintenant, on peut se prendre au jeu et se dire, attention, on n'a peut-être pas tout regardé. N'oublions pas la résilience du vivant. Et il faut regarder peut-être un petit peu plus en amont. Et nous, maintenant, au laboratoire, eh ben, on va essayer de regarder à ce niveau-là. Comme si, à la place de faire tomber notre équilibriste, on avait l'impact qui, à la place de le pousser violemment, se contentait de le toucher comme ça, un petit peu avec le doigt, pour obliger notre équilibriste à retrouver son équilibre. On ne le fait pas tomber, mais on l'oblige à bouger. D'accord ? Donc nous, au laboratoire, maintenant, on essaie de regarder ce qui se passe à ce seuil, ici. On n'arrive jamais à dépasser le seuil et à le faire tomber. Mais à court terme, peut-être qu'il se passe quelque chose. Et maintenant, si jamais on laisse le temps les choses à se faire, peut-être que ces petits déséquilibres, c'est un début d'une cascade d'événements qui va amener à un effet à long terme. Et là, l'enjeu de la recherche dans les prochaines années, ça va être de déterminer si ce genre de cascade existe réellement et si on peut craindre des effets à long terme. Alors au final, par rapport à toute la littérature scientifique, mis à part les problèmes de reproductibilité, les effets de faible amplitude, les mécanismes inconnus dont je vous ai parlé, les effets biologiques possibles qui ressortent de la littérature scientifique, c'est des effets sur le sommeil. On s'aperçoit que sous exposition électromagnétique, l'activité électrique du cerveau est légèrement différente que quand on n'est pas exposé. Alors attention, effet biologique ne veut pas dire effet sanitaire. Les personnes qu'on interroge après sur ces effets du sommeil, ils sont reposés de façon normale. Ça ne va pas leur causer de fatigue. C'est comme si ces personnes-là se rapprochaient du profil un petit peu des petits dormeurs. Vous savez que vous n'êtes pas tous égaux face au sommeil. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup dormir, d'autres qui ont besoin de dormir peu. Et ces gens ont des signatures d'activité électrique pendant leur sommeil qui sont légèrement différentes. Et bien, sous exposition, on a l'impression que on penche très légèrement, c'est très très faible, tous les labos ne le voient pas, mais il y a plusieurs équipes quand même qui l'ont montré,
vers un profil petit dormeur. Effet cognitif sur l'apprentissage et la mémoire aussi. Il y a des petites choses qui commencent à apparaître, pas forcément négatives. C'est ça qui est un petit peu étrange. Peut-être même protecteur vis-à-vis des maladies neurodégénératives. Ça demande à être confirmé, parce que sur la base d'études vraiment très limitées. Sur les effets sanitaires éventuels à long terme, pour moi, il va falloir regarder l'effet sur le stress oxydant et stress génotoxique. L'effet cancérogène à long terme pour les gros utilisateurs et l'effet sur la fertilité masculine. Alors pour terminer mon speech, je vais vous parler un petit peu, justement, un peu plus en détail de ces effets sanitaires là-dessus. C'est vraiment l'enjeu des futures années dans le domaine. Pour moi, il y a deux grands enjeux dans ce domaine-là. Un, essayer de comprendre l'origine de l'électro-hypersensibilité. Et deux, vraiment déterminer, d'un point de vue expérimental, si ces ondes électromagnétiques sont cancérogènes ou non. Ce sont vraiment les deux grands axes de recherche pour lesquels il faut mettre le paquet dans les prochaines années, très certainement. Alors, électrosensibilité, je ne vais pas vous en parler trop, j'ai juste une diapo pour vous présenter ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines personnes qui se font des autodiagnostics et ont l'impression que quand elles sont exposées à des ondes, elles ont des mâles qui apparaissent. Alors attention, ces personnes-là sont réellement malades. Ce n'est pas une maladie imaginaire. Ils ont vraiment des symptômes. Il y a des publications qui sont sorties très, très récemment qui montrent qu'il y a des altérations sur des marqueurs biochimiques. Il y a vraiment, le mal est réel. D'accord ? Donc ces personnes-là vont présenter tout un tas de symptômes non spécifiques, très variés. Alors, ce qu'on appelle symptômes non spécifiques, c'est parce que c'est des symptômes que vous avez certainement tous eus. C'est soit des maux de tête, tout le monde a eu des maux de tête, des troubles de concentration, des troubles du sommeil. Un Français sur trois a des problèmes de sommeil, etc. Donc, ce n'est pas des choses qui sont spécifiques à ces personnes-là. Mais ils ont l'impression que tous ces symptômes augmentent quand ils sont exposés. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que quand on expose ces personnes, on a d'un seul coup les symptômes qui apparaissent? Il y a eu des études de provocation qui ont été réalisées, et quand on prend ces personnes-là, qu'on les met en laboratoire, et que ce qu'on appelle en double aveugle, c'est-à-dire de façon complètement secrète, on les expose aux ondes ou non, et ben, toutes ces études, à part une, toutes ces études sont négatives. Il y en a eu plus d'une vingtaine qui ont été réalisées, toutes négatives. Autrement dit, ils n'arrivent pas à détecter s'ils sont présents ou pas. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que c'est psychosomatique ? Sans doute pas, parce qu'on n'a pas encore tout testé. On n'a pas encore testé toutes les hypothèses. Ce que ça veut dire, c'est que la situation n'est certainement pas aussi simple que les personnes électro-hypersensibles le disent. Avec « je suis exposé, d'un seul coup, ça arrive ». Non, la situation est certainement plus compliquée. Peut-être les ondes sont impliquées. On ne le sait pas, on n'a pas réussi à le mettre en évidence d'un point de vue expérimental. Donc, à l'heure actuelle, tout ce que l'on peut dire, c'est que ce sont des malades, c'est sûr. Ils ont un problème de santé, peut-être lié à l'environnement. La cause est absolument inconnue. Ils ne sont pas les seuls dans ce cas-là. Ça fait partie de la grande famille des troubles fonctionnels. On a la fibromyalgie, la fatigue chronique, la sensibilité aux produits chimiques, tout un tas de maladies qui sont bien connues des médecins. On ne sait pas pourquoi les patients souffrent de ce type de maladie. Dernier point, la cancérogénèse. Cancérogénèse. Alors, pour essayer de voir un petit peu les impacts possibles des ondes sur l'apparition de cancer, on va essayer de trouver des populations un petit peu témoins. Et parmi ces populations témoins, il faut essayer de réfléchir quelles sont les sources d'exposition qui sont les plus importantes dans notre quotidien. C'est des notions qui sont connues depuis le père fondateur un petit peu de la toxicologie, Paracels, qui dit que tout est poison et le poison est dans la dose. Donc on va chercher ce qui nous expose le plus pour essayer de voir si ces personnes qui sont le plus exposées présentent des probabilités de développer des cancers de façon un peu plus importante. Alors à ça, on va donner la notion de débit d'absorption spécifique, c'est-à-dire la quantité d'énergie absorbée par le corps. Il va falloir regarder sous exposition quelle est la quantité d'énergie qui est absorbée par le corps quand on est au contact d'une antenne, au contact d'un téléphone, etc. Donc il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur la dosimétrie pour essayer de mesurer, de calculer tout ça. Alors parmi toutes les sources d'exposition, laquelle surveiller ? Celle qui vous expose le plus,
c'est le téléphone. Le téléphone portable est vraiment la source, et de bien, de très très loin, la source la plus importante d'exposition. Attention, je vous ai mis ici, émission différente d'exposition. Ce n'est pas le téléphone qui va émettre le plus d'ondes, mais c'est celui qui va vous donner le plus d'ondes au contact de votre corps. Tout simplement parce que la puissance va décroître avec la distance. Pour vous expliquer ça, imaginez les phares qui guident les bateaux. Ils sont très très puissants, d'accord ? Mais avec la lumière d'un phare, même s'il est très puissant, si vous, vous êtes à 2-3 km sur la plage, vous n'allez pas pouvoir utiliser la lumière de ce phare pour pouvoir lire votre roman. Par contre, si vous avez une petite lampe de poche, même si l'intensité de cette lampe est très faible par rapport au phare, eh ben vous allez pouvoir lire, parce que la lumière sera à proximité et vous allez pouvoir l'utiliser. Ici, c'est pareil. Les antennes relais, d'accord, elles émettent très fort. Mais comme la population vit à plusieurs mètres et que ça décroît avec le carré de la distance, donc ça décroît très 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 rapidement, eh bien, au final, vous êtes assez peu exposé à cause des antennes relais. Par contre, les téléphones, eux, ils émettent moins fort, c'est sûr, mais vous les mettez au contact du corps. Donc là, il n'y a aucune décroissance et vous avez l'intensité maximale parce que vous êtes au contact. Pour vous donner l'ordre de grandeur, d'un point de vue quantité d'énergie électromagnétique, une minute de téléphone portable, ça correspond à un mois d'exposition avec une antenne relais. Donc vous voyez que l'ordre de grandeur est vraiment très 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 différent. Donc il faut surveiller les utilisateurs de téléphone. Et c'est ce qui a été fait sur la base principalement d'études en épidémiologie, et sur la base de ces études d'épidémiologie, c'est là qu'on a classé les ondes radiofréquences comme cancérogènes possibles pour l'homme. Alors cancérogènes possibles, c'est la catégorie de B, hein. Ça veut dire que d'un point de vue scientifique, on a encore plein de doutes. Dans cette catégorie de B, on classe tout un tas de produits. Il y a le café, il y a les cornichons, mais également des dérivés de benzène. Vous comprenez bien que les dérivés de benzène sont certainement plus dangereux que les cornichons. Mais ils sont quand même dans la même catégorie. Ils reflètent non pas la dangerosité du produit, mais plutôt la certitude qu'ont les scientifiques par rapport à leur pouvoir cancérogène. Donc là, on est dans le cas où on se dit, tiens, c'est peut-être possible, avec un gros point d'interrogation. Pourquoi est-ce qu'ils sont classés en 2B ? Parce qu'il n'y a que des études épidémiologiques qui permettent de positionner, de trouver des résultats positifs, et on n'a pas de mécanisme avec des études in vivo ou in vitro. Donc c'est pour ça qu'on est là-dessus. Alors il y a eu quand même une grosse controverse là-dessus, parce qu'il y a une vingtaine d'études qui ont été faites, toutes négatives, et puis au départ, il n'y avait qu'un seul groupe suédois qui avait des résultats positifs, le groupe d'Ardel. Maintenant qu'on a un peu plus de recul, quand on regarde les travaux de Ardel, alors ça c'est peut-être un petit peu compliqué, je vais vous le simplifier complètement là-dessus. On voit ici les années qui passent, et puis avec les années qui passent, eh ben, plus ça va, plus on a la chance, ou la probabilité plutôt, je ne pourrais pas parler de chance, mais la probabilité de voir se développer des cancers si jamais les expositions sont cancérogènes, bien sûr. Donc c'est une histoire de temps, il faut attendre. Surtout que dès la fin des années 90 au niveau 2000, la plupart des personnes avaient leur téléphone portable. Donc maintenant, on a un recul de plus de 10 ans, voire 15 ans, pour essayer de regarder. Donc si jamais tous les utilisateurs de téléphone portable avaient une augmentation du risque d'avoir un cancer, eh ben, on devrait le voir sur les registres de cancer. Il y a eu deux études qui ont été faites, une en Europe, une aux USA, pour essayer de regarder ce qu'il en est. Voilà ce qu'on aurait dû avoir, l'augmentation du nombre de cas de cancer dans la population avec une projection des résultats obtenus par Ardel, les études épidémiologiques qui sont là, et voilà ce que l'on a réellement. Donc c'est assez rassurant. Très certainement, il y a eu un problème de recrutement des cohortes. C'est très difficile, les études épidémiologiques, hein, parce qu'elles sont basées sur un petit peu est-ce que vous avez téléphoné beaucoup, pas beaucoup, etc. On demande aux gens d'estimer leur propre exposition. Est-ce que vous seriez capable d'estimer votre propre exposition ? Non, c'est très compliqué. Donc du coup, eh ben, ces études-là, elles sont plein de biais possibles qui peuvent expliquer des petites erreurs. Donc là, c'est quand même assez rassurant, c'est que les études qui étaient un petit peu pionnières et puis qui agitaient un drapeau rouge semblent être fausses parce qu'on ne voit pas cette augmentation. Maintenant, attention, il ne faut peut-être pas mettre tous les utilisateurs de téléphones portables dans le même sac. Il y a certaines personnes qui utilisent très peu leur téléphone, moi par exemple,
et d'autres qui, pour des raisons professionnelles, sont tout le temps pendus au téléphone. Donc il va falloir regarder les gros utilisateurs des petits utilisateurs. Et c'est quand on fait cette différence qu'on commence à trouver des résultats positifs. Il y a eu une étude Interphone, une étude internationale qui a porté sur plusieurs années sur différents États en Europe et ailleurs, qui montre que si on téléphone plus de 1600 heures cumulées, à ce moment-là, le risque de cancer du cerveau augmente d'un facteur 2, un peu plus d'un facteur 2, 2,8. Pour la population générale, il ne trouve rien du tout, si on poule toutes les populations. Mais si on prend un sous-groupe, les gros utilisateurs, là, on trouve une augmentation du risque. Et puis, cette étude a été confirmée. Une autre étude d'une équipe française de Bordeaux montrait que si on approche des 1000 heures, là aussi, clac, on augmente le risque de cancer du cerveau. Autrement dit, petit drapeau rouge pour les gros utilisateurs. Les gros utilisateurs, on a maintenant deux études qui se confirment l'une l'autre, qui montrent qu'on augmente son risque d'avoir un cancer du cerveau. Alors, c'est reste en catégorie 2B, tout simplement parce qu'on n'a pas le mécanisme. Est-ce que c'est réel? Les études épidémiologiques, il faut bien comprendre qu'elles ne montrent pas de relation directe de cause à effet. Il y a des exemples très célèbres dans le monde de l'épidémiologie. On a montré des corrélations d'augmentation, par exemple, du taux de suicide par corrélé avec la vente des bas nylons. Bon, à moins d'avoir l'esprit tordu, on ne voit pas trop la relation directe, d'accord? Donc, on sait qu'il y a une corrélation statistique, on ne sait pas pourquoi à l'heure actuelle. Les mécanismes qui sont avancés dans la bibliographie, RF, donnent peut-être un stress oxydant, stress génotoxique, c'est-à-dire les cassures d'ADN, cancer. Seulement, ça, la démonstration expérimentale se fait attendre. Principalement parce qu'on a beaucoup de résultats négatifs, quelques résultats positifs qui dépendent du système, du modèle qu'on utilise. Moi, je pense qu'ici, on a sans doute un petit quelque chose, mais qu'on ne dépasse pas la capacité de la cellule à réparer. C'est l'exemple que je vous ai montré avec Astérix. D'accord ? On casse un petit peu, on a un petit peu de stress, mais on répare au fur et à mesure. Donc, pour règle générale, on n'a pas d'effet, on ne le voit pas. Si on fait un petit peu le point sur les études in vivo, donc on a essayé d'induire le cancer à des animaux, notamment des souris ou des rats, en les exposant pour voir si... ces ondes sont cancérogènes. Donc la technique très simple, on a le modèle, les animaux, les petites souris, on les expose de façon chronique, ça veut dire qu'on les expose sur une très très longue durée, parfois plusieurs mois, parfois pendant toute la vie, et on regarde si on a des cancers. Toutes ces études-là sont négatives. Après, on s'est dit, il y a peut-être d'autres facteurs. Donc il y a d'autres études qui ont utilisé des souris qui ont un fond génétique un petit peu spécial, qui fait qu'elles vont développer beaucoup plus facilement des cancers. Elles sont susceptibles de développer très facilement des cancers. On a des modèles comme ça, certaines lignées de souris qui permettent d'étudier le cancer parce qu'elles le développent facilement. Si ces souris, on les expose de façon chronique, résultat négatif aussi. Après, on s'est dit, c'est peut-être pas les ondes seules, mais les ondes vont peut-être favoriser l'action d'autres facteurs environnementaux. Donc là, des modèles murins, des souris qu'on a exposées avec des produits cancérigènes. Résultats négatifs. Tous les résultats sont négatifs, à part une publication, mais même l'auteur lui-même n'est pas sûr de lui, et puis parfois des petites tendances dans certains publics qui montrent. Tendances qui ne passent pas la barrière des tests statistiques parce qu'on n'a pas assez de nombre de souris qui ont été testées. Il y a une grosse étude qui est en cours actuellement aux USA où ils utilisent plusieurs centaines de souris pour essayer de voir. Donc, elle devrait sortir normalement dans l'année 2016. Peut-être que mon discours changera dans un an. Mais à l'heure actuelle, on en est là. On n'a pas réussi, sur des modèles expérimentaux, à induire le cancer avec les souris. Sauf deux publications que je vais vous présenter, où on a peut-être un cocktail explosif. Cocktail où on a des souris avec un fond génétique, exposées très longtemps, et avec un produit cancérigène. Et là, deux résultats positifs, deux publications qui se confirment l'une l'autre. Alors, l'extrapolation à l'homme est très difficile, parce qu'ils ont utilisé des souris un petit peu spéciales qui sont vraiment très, très, très sensibles et mal caractérisées. Ils ont utilisé des produits chimiques cancérogènes qui sont extrêmement violents, qu'on ne trouve que dans les laboratoires, où ils ont injecté ça à la souris en gestation pour que l'embryon baigne dans ce produit-là. Donc, c'est des situations qu'on ne rencontre pas dans la vie de tous les jours, Dieu merci. Donc, l'extrapolation est vraiment très, très, très difficile.
Néanmoins, pour nous chercheurs, ça nous met quand même sur des pistes intéressantes. C'est-à-dire que s'il y a une piste à creuser, c'est une prédisposition génétique avec des expositions chroniques et puis peut-être quelque chose d'autre dans l'environnement. Maintenant, ça ne va pas être facile. Hein. Attention, chez l'homme, on a plus de 20 000 gènes, lesquels sont impliqués. On a du boulot, on a du pain sur la planche, sans compter le nombre un peu de produits chimiques possibles ou de produits physiques, les UV, etc. Donc ce n'est pas simple, on en est là à l'heure actuelle. Autrement dit, beaucoup de doutes, des petits débuts de pistes, mais qui demandent à être confirmés. Alors pour finir, je vais terminer sur des recommandations. Donc j'espère que vous avez compris par rapport à mon discours que ce qui est sans doute le plus à surveiller, c'est le téléphone portable. C'est vraiment lui qui vous expose le plus. Moi, je ne suis pas inquiet avec les antennes relais, je ne suis pas inquiet avec les bornes Wi-Fi, parce que les niveaux d'exposition sont vraiment très très faibles. Ce que l'on voit, c'est que même les personnes qui téléphonent très peu, on ne voit rien avec. Ça veut dire qu'il y a quand même un effet seuil, un effet dose. Il faut vraiment utiliser l'appareil qui vous expose le plus et l'utiliser longtemps pour commencer à avoir des effets, à avoir des doutes là-dessus. Donc, surveillez le téléphone. Et si jamais vous êtes des gros consommateurs de téléphone, moi, ce que je vous conseille, c'est l'utilisation d'oreillettes ou de kit main libre de façon à diminuer votre exposition. Ça va la diminuer de façon très, très, très forte. Même un système Bluetooth. Système Bluetooth, les niveaux d'énergie, ça utilise des ondes aussi, qui sont des radiofréquences, mais les niveaux d'énergie seront beaucoup plus faibles. D'accord ? Âge minimum aussi. Hein ? Ne donnez pas un portable, quand même, à un enfant en très, très bas âge. On a toujours des doutes là-dessus. Donc, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. D'accord ? Ça ne veut pas dire que vous devez empêcher votre enfant d'utiliser le téléphone portable pour faire un bisou au grand-père. Oui, il peut l'utiliser de temps en temps. Si c'est modéré, il n'y a aucun problème. Mais ne pas avoir un gamin de 5, 6 ans ou 10 ans qui soit tout le temps collé là-dessus. Parce que, justement, on a le doute avec les forts utilisateurs et que les enfants sont peut-être un petit peu plus sensibles. Leur permittivité au niveau des tissus n'est pas la même que les adultes, ils sont plus sensibles. Et puis, pour finir, le danger du téléphone, le plus important, c'est quand même au volant. Hein. C'est là qu'on a quand même le plus d'accidents, mine de rien, ou des problèmes de comportement avec des adolescents qui mettent le téléphone à proximité de la nuit pour pouvoir être tout le temps connectés, pour pouvoir envoyer des SMS à leurs collègues à 1h du matin, 2h du matin, pour montrer, t'as vu, un peu, je dormais pas, etc. Et qui, là, pour le coup, vont avoir vraiment des problèmes de sommeil, mais qui ne seront pas dus aux ondes, qui seront dus tout simplement à la façon dont ils utilisent le téléphone. Et enfin, dernière diapositive, attention au business qu'il y a autour des systèmes de protection. À l'heure actuelle, vous allez voir sur Internet certainement, les ondes, c'est hyper dangereux, il faut s'en protéger, donc achetez mes systèmes de protection. Dans les systèmes de protection, on va voir des arnaques du style, voilà, ça c'est un appareil qui va émettre des ondes, mais des bonnes ondes, qui vont chasser les mauvaises ondes. C'est extraordinaire, c'est beau. Ou alors des petits médaillons qui permettent également de repousser les mauvaises ondes là-dessus. Ou des pastilles anti-ondes, hein, c'est... Pastilles anti-ondes, on met là-dessus et ça protège les enfants. C'est comme dire, ok, vous voulez sortir sous la pluie, et ben mettez un petit pansement imperméable sur le front et vous ne serez pas mouillé. Non, c'est ridicule. Et puis, on a également tout un tas de vêtements anti-ondes qui commencent à se développer. Ce genre de choses, ça ne protège pas forcément. L'armée avait fait des mesures comme ça pour essayer de protéger les soldats qui travaillent avec les brouilleurs d'ondes. Parce que les brouilleurs d'ondes, ils envoient vraiment une très très forte quantité d'ondes là-dessus, donc pour protéger, ils avaient pensé utiliser ce type de vêtements. Ils ont fait des mesures, ils sont aperçus qu'à partir du moment où il y a des ouvertures, il y a des lignes de fuite, et puis il y a les zones où c'est ouvert, où ils reçoivent encore plus d'ondes. Et où ? Au niveau des yeux. Au niveau des yeux, où c'est un peu plus sensible par rapport à la composition biochimique de cet organe. Et puis aussi, les cactus qui sont censés vous protéger. Alors c'est vrai que les cactus, ils sont pleins d'eau. Donc l'eau va absorber les ondes. Donc c'est vrai que les ondes sont absorbées par le cactus. Mais le cactus, ce n'est pas un aspirateur à ondes. Hein. Il peut vous protéger que si l'onde elle percute le cactus, mais si elle passe à côté, elle ne va pas être aspirée. On n'a jamais vu quelqu'un avec son téléphone, excuse-moi, ça va couper, je passe à côté d'un cactus. Donc il faut faire attention aux arnaques. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
Mais en tout cas, merci. Merci vraiment pour cette belle conférence. Merci pour votre travail. Et merci de continuer ces recherches pour savoir si un jour ou l'autre, et j'espère pour tous ces gens qui souffrent de cette hypersensibilité, j'espère qu'on trouvera des solutions. Voilà, bonsoir à tous. La semaine prochaine, comme vous le voyez, nous parlerons des eaux souterraines de Bretagne qui racontent l'histoire du climat. C'est une publication qui a été faite par Luc Aquilina dans une grande revue scientifique, Nature, et qui a fait beaucoup de bruit. Donc, on est content de pouvoir lui donner la parole pour qu'il nous explique un petit peu de quoi il s'agit. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine, j'espère. Au revoir.